Ça y est? Quand tu veux. Mais tu commences par balayer en silence, parce que... Ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait, pardon. Bon, et bien alors, nous avons ici deux pièces qui sont pratiquement la même réalité, mais considérées sous deux aspects différents. Celle-ci, c'est le tristel breton qui en est la base, avec les trois éléments qui constituent la terre, l'air, l'eau, et puis l'homme qui, dans ce contexte-là, fabrique la terre. Donc cette pièce est plutôt prométhéenne. Il y a une espèce d'éclatement de la terre où on voit les trois personnages qui sont dans la pièce. Et au creux de la pièce se dégage une structure construite un peu comme les structures de cathédrale, quoi, les voûtes, croisement des ogives. L'autre pièce... L'autre pièce, c'est toujours le thème de la terre, mais sous l'aspect centripète, alors que l'autre est centrifuge. C'est deux corps qui s'enlacent l'un dans l'autre, avec sur le dessus, les deux têtes se croisant, qui forment le yin et le yang, le thème de l'amour. Et l'on retrouve cette signification de l'amour par l'intérieur, qui fait comme une bulle, qui est le cœur de la terre. Donc le cœur de la terre et la conquête de la terre. Quand tu veux. Le tristel, avec les trois éléments, et trois têtes, des corps qui se développent autour de la terre. Ici, les deux têtes croisées avec les bras qui forment le yin et le yang, le symbole chinois sur le thème de la paix, de l'amour. Quand tu veux. Là, c'est pour l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. L'homme prisonnier par la vacherie des autres, un collier autour du cou, une chaîne pour le tenir, et lui qui tire sur son bras pour la tendre d'un côté et la détendre de l'autre, de sorte qu'il soit un peu soulagé à son collier. Le visage très fatigué, édenté, les dents du dessus sont complètement éliminées. On voit ses grosses lèvres. Mais c'est tout homme qui est esclave et qui aspire à sa libération. Et qu'il a fait. Cette pièce, qui ne présente qu'une tête, un cou et un bras, est en norme. Voilà la Vénus de Billiot. Pourquoi Vénus de Billiot? Parce que c'est une Vénus qui est pas mal sensuelle, même un peu exagérée, mais à dessein. Et de Billiot parce que c'est une bûche qui est restée pendant plus de 6 ans, 5-6 ans, dans un coin sans que je sache quoi en faire. Puis un beau jour, c'est arrivé et j'ai attaqué. J'ai attaqué donc par cette sensualité au point de départ. Mais... derrière cette sensualité, il y a une autre dimension qui fait partie aussi de ce mystère qui est la vie, c'est-à-dire la femme porteuse de vie, avec le bébé, et puis tout est creusé à l'intérieur, les seins qui sont protubérants là sont creusés à l'intérieur, etc. L'autre partie est très lumineuse et celle-ci est beaucoup plus sombre, beaucoup plus délicate, beaucoup difficile à aborder. La Vénus de Billiot. Cette Vénus de Billiot est en norme. Et elle fait 85 cm de haut. Okay. Oui.
Voilà, ici, nous avons une maternité qui est traitée d'une manière abstraite, mais enfin, c'est une maternité sur le thème de l'infini, quoi. C'est une réalité qui n'est pas encore finie, qui a commencé depuis un petit bout de temps et qui continuera. C'est donc la rencontre de la maman et du bébé. Or, c'est la maman qui enfante le bébé. Mais dans cette représentation, c'est aussi le bébé dont on voit ici l'épaule qui se développe à l'intérieur jusque vers cette coda qui, elle, devient plus ample, couvre, fait le capuchet et le corps de la maman. C'est le bébé qui enfante aussi sa mère. Nul n'est le fils de ses œuvres. Ce sont les enfants qui sont aussi ceux qui œuvrent pour ceux qui les ont engendrés. C'est une terre cuite. Parti. Alors, Datura cornigera, qui est un poison violent, qui est fait d'une espèce de cloche fermée, et puis sa tige et sa feuille. Alors, cornigera, parce qu'il y a cinq cornes qui constituent le sommet de la boule, cornigera, parce que j'ai fait une corne, symbolisée, plus réaliste, et puis ici, la feuille qui se détend. Et à l'intérieur, bien sûr, le fruit qui est le poison violent. Pourquoi la Turin cornigera? Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'elle me plaisait comme forme. Simplement, je l'ai un peu allongé parce que c'était l'urgence du bois. La bûche était comme ça. C'est fait d'une seule pièce avec des problèmes techniques très difficiles à réaliser qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. En quel bois c'est? C'est de l'orme, un bois qui ne sert pas à faire les sculptures, mais des roues de charrette. Là aussi, esthétiquement, ça posait un problème, et c'est bien. Quand tu veux. Voilà, ce qui est devenu la partie de pelote. La main, la pelote et le fronton, symbolisé. Or, j'y tiens à cette pièce, non point par sa grande qualité artistique, mais parce qu'elle a été pour moi le démarrage de la prise de conscience qu'il fallait que pour ma retraite, je fasse de la sculpture. C'est le premier bout de bois que j'ai pratiquement taillé et sculpté. Voilà, c'est la main. Au point de départ, d'ailleurs, c'est pas du tout la partie de pelote, c'est devenu plus tard. Voilà, ici. Avec le fronton symbolisé, la pelote qui est en... et la pousser par la main, voilà. Comme tu veux. Bon, mais ça, c'est un mobile. Alors, simplement, c'est un arceau pour le supporter. Il est placé au-dessus d'une cheminée, et la chaleur le met en mouvement de manière constante. La pièce principale, c'est ça, le centre, qui est sculpté, sans idée a priori, simplement le bois appelant telle forme et essayant de réaliser, elle est sculptée dans une racine de marronnier que j'avais trouvée sur un chemin à Mendive, en France, encore au Pays Basque. Voilà. Chacun peut y voir. Chacun peut y voir la figuration qui lui plaît, qu'il découvre. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les sculptures. Moi, je n'explique pas mes sculptures, je dis un peu la lecture que j'en fais à chaque fois. Quoi, hein. Mais à chaque fois, il y a des choses nouvelles qui m'y apparaissent. Voilà, mobile. Voilà, un bloc de hêtre qui était un tronc, une branche. Deux coups de tronçonneuse, une ouverture, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, et tournant par là, j'ai pensé que je pouvais faire un profil. Et comme j'avais un modèle tout près de moi, c'était moi-même, je me suis fait mon autoportrait, à ma manière. Un petit peu comme me rappelant les sculptures de l'île de Pâques, peut-être comme mouvement. Voilà. Alors, autoportrait.
Elle n'est pas là. Tu l'as perdue, la photo? Voilà, cette photo qu'on vient de voir, c'est une photo d'une petite cuillère à parfum qui est de la 18e dynastie égyptienne et qui est exposée au musée du Petit Palais. J'avais toujours été séduit par cette sculpture qui est d'une finesse remarquable. Et quand j'ai commencé à vouloir travailler la terre, le professeur que j'avais m'a dit « Aimes-tu quelque chose ?» Je dis « Oui, mais c'est compliqué. » Il m'a dit « Tout est compliqué et tout est aussi facile. Alors vas-y, attaque. » Et j'ai attaqué. Je suis resté pendant des mois à travailler là-dessus. Et ça a été un petit peu mon apprentissage. Une terre cuite qui est patinée, noyée. Voilà, la petite égyptienne. Et j'ai projet maintenant, si un jour je resculpte, de retravailler cette sculpture, mais en bois, en pensant simultanément à la demoiselle de Brassempouille, cette pièce merveilleuse qui a 30 000 ans d'existence. Quoi. Voilà. Cette pièce, c'est Irati. Irati, pourquoi? Parce que c'est en vacances dans ces zones que j'avais commencé à la mettre en forme sur Terre. Et au point de départ, ce n'était qu'une étude d'ovales, s'impliquant les uns dans les autres. Et puis, à un bon moment, en le tournant dans un certain sens, en vertical plutôt qu'horizontal, je me suis rendu compte que j'avais ici la forme d'un museau de brebis. Et je suis parti sur ce thème. Alors d'un côté, c'est la brebis, et de l'autre, c'est le bouc avec la corde. Voilà. Alors c'est symbolisé, hein, simplement. Mais c'est recherche de forme, essentiellement. Voilà. Il faudrait que tu puisses reprendre. Ça y est. Alors celle-là, c'est deux racines de bruyère assemblées et qui deviennent le support d'une expression naturelle, pas beaucoup recherchée, mais je l'ai appelé petit con parce qu'il a une manière un peu prétentieuse de tendre son bec en avant. On dirait vraiment qu'il veut dominer tout le monde. Quoi. Il est atroce, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est une maquette d'une fontaine que je ne verrai jamais, mais que moi je vois dans mon imagination. Elle doit faire dans les 6 mètres de haut. C'est un travail fait essentiellement pour chercher des formes qui se développent et qui ne sont aucune identiques. Chaque côté est très particulier dans ses formes. Mais je vois très bien de l'eau qui glisserait partout par là, comme ça. Alors c'est un peu comme l'océan, quoi, avec ici le masque d'un dauphin, un petit peu, quelques poissons stylisés qui se glissent au milieu du mouvement des vagues. Fontaine. Thank you.
Voilà, c'est sur le thème du swastika, le signe indien, le signe des Basques, que l'on retrouve ici et qui est dans sa symbolique, c'est-à-dire le mouvement de la vie. Or, ce qui est cerné là comme mouvement de la vie, c'est d'un côté les doigts du dedans qui tiennent la tête du dehors, et de l'autre côté, c'est la main du dehors qui tient la tête du dedans. Autrement dit, il y a là-dedans, dans cette simultanéité, à la fois de la vie et de la mort. Il n'y a pas un seul moment de notre existence qui ne soit fait de cette mort et de cette revie. La vie, c'est ça. Une minute. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Svastika. Ou alors, en basque, c'est Lauburu, les quatre têtes. Et tout le monde peut me dire pourquoi quatre têtes alors qu'on n'en voit que deux. C'est parce qu'elles tournent sur l'emplacement des quatre et que le svastika comporte quatre bulles qui représentent des têtes. C'est une statue typiquement religieuse, celle-là, comme la suivante que l'on verra. Dans toutes mes sculptures, il y a pour moi une lecture très matérielle, très réaliste et en même temps spiritualiste. Bon, j'en parle pas, c'est mon problème. Là, ici, c'est le thème même de Marie, la mère du Christ, qui a retrouvé son fils, qui était en train de discuter au milieu des docteurs, alors qu'il le cherchait depuis 3 jours, en pèlerinage à Jérusalem. Et arrive un moment où il se retrouve. Elle vient de lui dire « Nous te cherchions » et lui se lance dans les bras de sa mère et il va lui dire « Mais maintenant, il faut que je sois aux affaires de mon père, c'est-à-dire ma vie adulte. » Et elle est pratiquement comme enceinte de cette adolescence. Voilà, c'est un morceau de chêne taillé, juste symbolisant. Voilà pour celle-ci. Bernard de Clairvaux. Pourquoi ? D'abord parce que mon frère s'appelle Bernard, et c'est une maquette qui est en plâtre et qui devrait normalement être sculptée dans un morceau de chêne que j'ai d'ailleurs, mais un jour il faudra que je lui mette. Pourquoi Bernard de Clairvaux aussi? C'est parce que c'est un des gars, c'est pas tellement la croisade qu'il a prêchée qui m'a tellement mobilisé, mais c'est le fait qu'il ait été un défenseur du roman comme étant l'expression la plus religieuse, la plus spirituelle de l'art. Et il était opposé en ceci avec Suchère, qui était à Saint-Denis, qui lui était pour le gothique. Il y a eu une petite bagarre entre eux à ce niveau-là, importante. Voilà, un arbre de Clairvaux. Elle va? Non, mais ceci, c'est un arbre, c'est l'arbre de vie, sans tête. C'est un tronc, puis il y a l'efflorescence, un peu confuse, et puis du cœur de ce tronc, cette efflorescence, se lève sur la vie, avec ses deux polarités. On retrouve un peu, là, sur le sens de l'arbre de vie, le même thème que nous avions avec le Vastika tout à l'heure par rapport à cette dualité de la vie et de la mort. Mais ça peut être le beau, l'affreux, ça peut être la gentillesse, la méchanceté, ça peut être... C'est un peu tout ce qui est bipolarité comme ça. Voilà. C'est la vie. Et à travers ça, il y a un renouveau, une renaissance chaque année de cette vie et de ses problèmes. Rien n'est jamais réglé. C'est fini. On recommence. Oui, je dis, voilà, ici, la journée est finie. Le travailleur est fatigué. Alors, double expression, les mains qui tombent le long des jambes, le creux à l'intérieur,
Mais il regarde devant lui quand même, demain on recommencera. C'est le repos. En quelle matière c'est? C'est une terre cuite. Peinte. C'est encore une maternité, mais celle-ci est particulière. Elle est en plâtre. J'aurais voulu la faire faire en bronze, mais ça venait trop cher, alors j'ai fait en bronze patiné. Je l'ai patiné en bronze. Je garde les formes comme ça pour moi quand même. Et c'est ce que j'ai cherché là, c'est essayer de rassembler toute la sculpture sur le nombre d'or qui se trouve ici entre les deux, à l'échange de leur regard. Donc, toutes les lignes de force de ma sculpture vont converger vers cette zone. Et avec la technique inaugurée par Archipenko, qui creuse les muscles pour davantage accrocher la lumière, plutôt que de les laisser redondants où la lumière fuit. Alors voilà, on va tourner autour. Et voir effectivement que vous voyez, toutes les lignes montent par ici, reviennent par là vers l'enfant. Ici c'est pareil, on retourne vers le petit, vers la tête, là de la tête on descend par là. Toutes les lignes de force tournent pour converger vers ce point d'échange entre le petit et la maman. Et voilà, d'après un dessin de la Renaissance, d'un certain Bandinelli, qui avait fait une femme en train de coudre comme ça, puis il y avait des petits anges autour, j'ai supprimé les petits anges parce que je ne savais pas où les accrocher, mais j'ai gardé la femme dans sa structure. Alors ça a été surtout de mettre en volume ce qui était dessiné par un autre. Quoi. Voilà, le Bandinelli, la couseuse, qui est en train de ravauder. Et voilà, ça c'est pour l'humour. Au point de départ, c'était une statue que j'avais faite de la Calas en train de chanter. Or, elle a eu tellement des gros cas de voix qu'elle est tombée par terre et s'est cassée en mille morceaux. Je les ai recollés et c'est devenu la Castafiore. Là voilà. Enfin, il ne faut pas trop s'attacher. Hein. Voilà. C'est bebop, le rythme et l'oreille. Alors l'oreille, il ne faut pas faire de grandes démonstrations, la voilà à l'envers, et puis les voilà ici, une couche d'oreille qui se développe à travers la tête qui paraît de côté. L'oreille, le son, ici encore une symbolique de l'oreille qui fait partie du corps du violoncelle, qui aurait pu être une contrebasse, mais il aurait fallu lever le manche davantage, bon. Et j'ai utilisé là aussi la fameuse technique d'Archipenko, que j'ai forcé un peu, pour accrocher davantage la lumière et montrer aussi un peu le rythme. Car ici, voyez-vous, il est à un moment un point de chute. Je défie à quiconque de se maintenir sans faire un appui assez fort sur son instrument. Alors il est en arrière et il va repartir en avant. Quoi. Mais comment mettre un rythme vivant, comment dirais-je, vivant, oui, dans une statue qui est elle statique. Voilà, bebop.
Voilà Nefesh. Nefesh, c'est en araméen, le langage parlé par le Christ, le langage de la Palestine. Et Nefesh, ça veut dire la gorge, ça veut dire le souffle, ça veut dire l'esprit. Toujours cette même sensibilité. Tout à l'heure, on voyait les polarités qui s'alternaient. Là, c'est une autre dimension où c'est la réalité matérielle, charnelle, qui exprime aussi le spirituel. Alors, il est traité, cette pièce, de deux manières. Sur la face 1, ici, c'est plutôt dans le genre des sculptures inca. L'homme assis sur la terre c'est la pyramide tronquée. Et de l'autre côté, c'est le masque indien, que l'on retrouve avec son zastika, etc., comme en basque. Et donc, une face et un corps. Et tout ça, c'est cuté sur la terre. C'est l'homme assis. Et alors, les deux bras sont tendus comme ça. Qui y voit l'imploration et qui y voit la colère libre. Et alors, cette pièce peut être mise aussi dans l'autre sens, horizontal. Elle devient alors une gargouille. Je peux la remobiler un peu. Et en restant dans le plan, vous voyez. Je baisse. Voilà. Attends, je vais me mettre par là. Hein? Alors celle-là s'appelle Irwak Bat, ce qui veut dire en basse 3 en 1. C'est 3 symboliques figurées. Ou figures symbolisées, qui font un seul, une seule unité, comme un œuf. Alors c'est l'équipe, c'est le couple, c'est avec l'enfant, c'est comme on veut. Alors ça, c'est le réveil du matin. C'est une racine, c'est un morceau, pas une racine, un morceau de lierre qui était autour d'une bûche et que dans lequel j'ai pu voir ce réveil du matin. Voilà. Et voilà, celle-ci, c'est Garonne. C'est pas très... Après, à queue, il n'y a pas d'aval, il n'y a pas d'amont, il y a une verticalité, c'est l'eau qui monte vers le haut. Alors on peut, si on veut, trouver une alose par là, ici une lamproie, et des barques qui se baladent dans la Garonne, mais pour moi c'est Garonne, c'est rappeler un peu à nous. En quoi? En être. Et bien voilà, ici cette pièce, c'est Chablis, c'est-à-dire la forêt après la tempête du 27 décembre 1999. Alors c'est la forêt, le bois, qui est attaqué par le bois lui-même, et il crie, et il souffre. Thank you.
Pardon. Le bois, il est en chaos. C'est en chêne d'Amérique qui vient du Dora. Dora, ça parle de Saint-Pierre d'Aurillac. Très bien, très bien. Hein? Et voilà, nous quittons le Chablis pour aller vers le Cagibi. Et dans le Cagibi, dans le coin, là, il y a une ébauche ou des ébauches de plusieurs choses qui un jour prendront encore, si du moins les petits poissons ma pote vie. Voilà. C'est en quoi ça? Ça, c'est du tilleul. Et c'est même du tilleul qui était jadis sur la place de Saint-Pierre d'Aurillac. Les vieux tilleuls. C'est un peu. Esquinté, hein. Et là, il y a l'escargot aussi de carnaval. Voilà. Comme tu veux. Donne-moi ça. Attends, là, je suis au plan. Ouais. Bon, ben voilà. Alors, voici un Christ en croix. Qui est fait avec plusieurs pieds de vigne qui ont été mis en mouvement et en forme, assemblés, et mis ensuite en croix sur une croix d'acacia, rustre, dure, et l'ensemble est dur, parce que c'est un homme qui est en croix, et c'est pas un supplice de sucre, donc il y a de la souffrance. Et ce qui m'a permis de démarrer, c'est le visage, je sais pas si... Il est possible de faire un gros plan sur ce visage, mais il n'y avait que ça que je voyais au point de départ, dans le bout de cèpe que j'avais, et c'est de là que toute l'idée est venue. La bouche complètement tordue, et les yeux vraiment dans le blanc. Le Christ en croix, Christ de souffrance. Je suis bon là, Roger. Tu veux qu'on le fasse ? Ouais. Allez. Après, tu l'entends. On va le mettre là. Voilà, ben, nous avons là 4 pieds de vigne, 5 même avec un petit bout, qui nous représente une menthe religieuse. Avec ses cornes, la tête, qui était plus grossière sur la tête. On voit les deux yeux qui sont sur l'avant de la tête, là, et puis les deux cornes, à la fin des ongles. Voilà.
Et ça, c'est des vignes du Languedoc. C'est pas des vignes girondines. Le processus qu'on a dit tout à l'heure, c'est en vigne girondine. Ça, c'est Languedoc.